Mon frère, ma soeur, même si tu n'as rien, sache que quand tu as Dieu, tu as tout. Dans le combat spirituel, des fois, il peut te dire, écoute, tu n'as rien. Laisse. Non, je sais en qui j'ai cru. Je n'ai pas crié en Dieu pour avoir un mariage. Comme certains croient en Dieu, sont zélés quand il y a le mariage. Une fois qu'ils ont ce qu'ils ont, ils voulaient, ils se retirent. Ils n'ont rien compris. Ils servent Dieu pour avoir des bénédictions. Le jour où Dieu les bénit, ils retirent. Moi, je dis, Dieu me bénit. Il va encore me bénir. Mais, oh, je vais encore donner des coups. Non, 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 je ne veux pas me retirer. Je ne veux même pas reculer d'un centimètre. Je vais avancer. Je vais avancer. Je vais. Tu n'as pas le droit de reculer. Avance! Pour un rien, on m'a fait mal, on m'a déçu, j'abandonne. Ah bon? C'est que tu n'as pas vu la réalité du ciel. Ah, j'ai perdu mon travail, j'abandonne. Je n'ai pas de mari, j'abandonne. Je n'ai pas de femme, j'abandonne. Je n'ai pas de travail, j'abandonne. Je n'ai pas de maison, j'abandonne. Je n'ai pas ceci, j'abandonne. Mais tu n'as rien compris. Tu es un bébé spirituel. Lorsqu'on rentre dans la dimension du combat spirituel, avoir n'est pas un problème. Prenez les armes spirituelles avec vous. Prenez-les avec vous, chrétiens. Prenez les armes. C'est votre vie qui en dépend. C'est la vie de votre famille qui en dépend. C'est la vie de ceux qui sont autour de vous qui en dépendent. Tu dois prendre les armes avec toi et être conscient de la réalité spirituelle. Sois conscient de cela, s'il te plaît. Ne perds pas ça de vue.